Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour découvrir Mirtwood, un jeu qui vient tout juste de sortir et qui semble prometteur. Il mélange pas mal de genres, comme de la survie, une simulation de ferme, des fabrications d'objets, un petit peu les derniers genres en ce moment qui fonctionnent en fait, tout simplement. Et tout ça, emballé dans un choix artistique tout à fait délicieux. Les teintes, les couleurs, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, ça a ce côté enchanteur onirique, et l'histoire est racontée d'une manière si douce, si bien, qu'on pourrait croire que nous sommes en train de lire des histoires et contes d'anciens temps. On va se lancer dans une nouvelle partie, et on va découvrir un petit peu tout ça. Allez. Home is not where you're from. It's where you find light when all grows dark. And your story begins in darkness. But tonight, in the cool of the old vineyard, the air is still, offering you a moment to reflect on your past. On va pouvoir choisir ici notre nom. On va s'appeler bien évidemment Gilles V. Regardez ces lettres, cette musique. Rien qu'au lancement, on a entendu une chanson qui ressemble un petit peu à du Enya, vous savez. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce à quoi ça va ressembler. Ah là là, je vais essayer de mettre un peu plus haut le son parce qu'il est assez bas, il est assez calme, il est assez doux, il est assez bien. Ce jeu va être génial. Je suis pas payé pour faire la pub, mais on dirait presque. Donc là, on peut être un homme, on peut être une femme. Donc regardez ça, on voit la différence hein, entre un homme et une femme. Eh oui, c'est une paire de loges qui fait ça. Ok, ok. Donc ici, nous avons une couleur. On peut choisir bronzé, foncé, très clair, clair et mat. On va garder mat parce que c'est la moyenne. Taille moyenne, grande, petite. Ah non, 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 Gilles V, vous savez, Gilles V est grand. Gilles V est très grand, trop grand certains diraient. Corpulence. Ok, je vais rester moyen. Cheveux. Donc on a différentes coiffures, donc ça c'est très bien. Vous avez ici Brocoliman, c'est très très bien pour ceux qui voient. Et pour ceux qui voient pas, ben, c'est pas très grave, vous avez rien raté. Alors ici, nous avons... je vais revenir sur Vagabond, parce que c'est très bien aussi, hein, vous savez. Couleur de cheveux blond, nous avons roux, cuivré, noisette, châtain. Et jet. Et blanc aussi. Ok. Non, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on va vers châtain? Noisette, châtain, jet. Allez, on va garder jet ici. On va essayer de produire ici une barbe. On arrive à faire pousser une barbe très vite. Oula, non, non, ça c'est un peu trop long. Donc, une barbe comme ça. Et on va prendre du coup la même couleur. Donc, c'était jet. Type de yeux. Regardez ça. On a des grands yeux. Ou alors des yeux mignons. Des yeux fatigués. Allez, on va prendre des yeux mignons, parce que Gilles V compte draguer, parce que oui, on peut draguer dans ce jeu. Type de sourcils broussailleux. Allez, broussailleux, on va garder broussailleux, je vais même pas chercher loin. Cuivré, noisette, châtain, j'ai. Allez, un peu de châtain, parce qu'il prend ça de sa mère. Son père est j'ai et sa mère est châtain, je sais pas. Ok, ok, donc on est bien, on va pouvoir progresser ici. Donc là, notre origine, nous avons Turien, Kelzir, ou Kelsir, Kelzir, Kelsir. Ozora, Cire et Velora. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne en fait différents traits. Donc vous êtes de nature assertive, sympathique, curieux, consciencieux, et vous êtes de nature introvertie. Bon, hein, je pense que je vais aller dans la curiosité. Est-ce que c'est pas mal? Consciencieux, ah, pas trop. C'est pas trop le Gilles V. Introverti, peut-être pas, mais sympathique. Ah, Gilles V est sympathique, allez, vous savez quoi? Ou alors il fait juste semblant. Faites attention. Gilles V est curieux, c'est très bien comme ça. Donc ici, on a du coup notre classe. Parce que oui, quand vous naissez... vous avez une classe. Bon, vous allez me dire, oui, c'est vrai. Hein. Vous êtes dans la royauté, la noblesse, ou alors en tant que paysan. Et ça nous donne différents traits. Regardez, socialement, vous êtes de nature plus séduisant. Votre équipement est moins efficace, attention. Par contre, la noblesse. Portée par vous, les vêtements sont plus efficaces. Vos cultures poussent plus lentement. Ah, ça c'est dommage. Et du coup, on vient de la paysannerie.
Si on vient là, en tout cas, vous vous préoccupez moins de l'énergie. Socialement, vous êtes de nature brute. Ok, alors je vais prendre la noblesse plus pour le côté de l'histoire. Parce que bon, on vit dans un vignoble et tout ça. Donc on va prendre la noblesse. C'est dommage d'avoir une culture qui baisse, mais on n'a pas la main verte, hein, c'est normal. Et là, on va pouvoir choisir notre profession. Donc on peut être herboriste, bricoleur, fermier, acteur, criminel, combattant et dératiseur. Donc faites attention, si vous êtes dératiseur, vous allez avoir plus de mal à pécho. Et oui, la romance est plus difficile. Donc ici, parmi les traits qui m'intéressent, je pourrais par exemple prendre fermier, où est-ce que c'est? Donc là, nos cultures poussent plus vite. Est-ce que ça peut combattre et même avoir un effet positif sur notre choix de classe? Je ne sais pas. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est tout simplement perdre un trait, tout simplement, parce qu'ils vont s'équilibrer. Je pense aller vers bricoleur, donc les biens fabriqués sont de meilleure qualité. Notre endurance s'épuise par contre plus vite. Donc ça, c'est un trop gros malus, hein. Mais je suis prêt à le prendre, je pense. J'ai pas vraiment d'autre choix qui m'intéresserait. Donc criminel, vous allez pouvoir être un criminel dans le jeu, si on veut, parce que vous avez un choix moral. D'accord. Récolter plus d'herbes. Non, ça, c'est vraiment la récolte. Allez, on va essayer de fabriquer des biens et ce sera très très bien pour nous. Regardez ça. Notre carte de personnage. Ah oui, non, il faut que je termine. D'accord. Je suis désolé, qu'est-ce qui se passe? Donc là, nous venons d'Ozora. Un grand désert zébré de montagnes marque la région d'Ozora. Foyer des artisans les plus nombreux du continent. Ah, mais c'est bien. Donc, foyer des artisans, nous sommes bricoleurs de la noblesse. Et apparemment, nous sommes dans les montagnes aussi. Ok, on accepte et on commence. Where's Asha gone off to? Ah, ben, on va pouvoir se déplacer. On voit ici le choix artistique qui est tout à fait... qui est tout à fait délicieux. Tout à fait délicieux. On va essayer de chercher notre frère. Donc, on va se balader là. Qu'est-ce que j'ai? Oh, une cotte marron simple. D'accord, ben, c'est très bien. Parce que Gilvé est dans une... petite tenue, donc là, avec I, on peut ouvrir l'inventaire, et on voit ici notre personnage. Regardez ça, il a une petite épée de cuivre rouillé, donc qui attaque à 5, et je pourrais la vendre pour 5. Il y a ceci, j'ai un petit peu d'argent, j'ai une pomme, et j'ai une potion, un élixir, ou un élixir. Ceux qui parlent bien français, c'est élixir. Voilà, regardez ça, il vient de mettre une robe, voilà, en fait c'était un vieux rideau, tout simplement. Maintenez Shift pour courir, donc on apprend un petit peu ici les commandes du jeu. En fait, on a une démo, je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, mais en tout cas, je n'y ai pas joué, donc si jamais vous voulez vous faire une idée, essayez la démo. Sinon, cette vidéo et d'autres vidéos sur YouTube sont bien évidemment là pour vous donner un meilleur aperçu. Regardez ça, je peux taper, donc il faut faire attention, je peux taper, je peux bloquer, et je peux ranger mon arme aussi, voilà. Ah, mais vous voilà enfin. Vous avez bien rêvassé. Vous vous teniez là à ne rien faire. J'ai cru, l'espace d'un instant, que vous aviez perdu la boule. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas que nous sommes venus chercher de quoi préparer le dîner ce soir. Père pourrait se contenter de champignons si on le laissait faire, mais mère voudra des herbes du vignoble. Sans saveur, à mon noble avis. Prends les deux, tu pourras jouer les cuisiniers ce soir. Eh oui, on va pouvoir aussi produire notre nourriture, donc... Non, le jeu semble vraiment pas mal. Alors, on va partir à la chasse de champignons et de ginseng. Ok, ok. Normalement, les champignons poussent au pied des arbres. Donc, on ne devrait pas avoir de mal. Alors, ça, c'est un arbre, hein, vous savez. Donc, du coup, on en a ici. On va essayer de se balader et voir si on peut trouver. Du coup, tout c'est bien, tout c'est bien. Ok, on a ici d'autres champignons. Donc là, nous avons... Alors, le choix artistique est génial, hein. Mais le choix de cacher ton personnage, discutable. Certains diraient que c'est du grand art. Certains diraient c'est du grand art, mais oui, s'il y a un objet qui est caché derrière un arbre, oui, voilà, voilà, voilà. Ça va plus me saouler qu'autre chose. Donc là, on a récolté les champignons qu'il faut. Oh, mais c'est quoi cette plante? Ah, c'est justement du ginseng. Ok, ben on peut se balader, essayer de voir. Je peux pas ramasser des petits bouts de bois comme ça, donc ça va. Le Gilvé se respecte un minimum. Donc on a parfois des items qui sont dans des coffres, comme par exemple, oh, regardez ça, des colons.
des collants marrons de mauvaise qualité. Bon, bah, Gilvet fait ce qu'il peut. Il vient de la noblesse, mais il peut même pas se payer des collants, quoi. Regardez ça. C'est vraiment deux collants de couleurs différentes. Hein. Alors, je pense que des gens ont mélangé leurs collants, tout simplement. Je m'endors tout juste après. Ok, après quoi? Vous avez mangé ou... On s'est un peu amusé, là. D'accord, d'accord. Bonsoir. Je peux pas te parler, mais je peux récupérer ici du ginseng. Ok. Alors, on va essayer quand même de trouver un équipement complet. Je n'ai pas vu votre frère, alors ne me demandez pas. Bon. Donc là, on a la troisième racine. Est-ce qu'il y a des biens ici et là? Donc là, je vois des sacs, mais je ne peux pas les fouiller. Ah, regardez, c'est un coffre. Oh, un chapeau marron de mauvaise qualité. Il me rappelle un jeu. Il me rappelle un autre jeu. Regardez ça. Regardez ce Gilvet, il a déjà une bonne mine. Ah, il peut se protéger de cette soirée un petit peu froide. Un petit peu fraîche. Trop fraîche, certains diraient. L'hiver approche? Non, on vient de quitter l'hiver. Donc du coup, c'est normal que ça soit encore un peu frais, vous savez. C'est le début du printemps. Nous sommes le 4 du printemps. D'accord. Alors, je sais pas si je peux fouiller ailleurs, mais... on est pas mal. Alors, ceux qui ont joué à la démo, forcément, se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais si lentement? Ben, je profite du jeu et je... Voilà, quoi. Même quand je l'ai essayé, j'ai passé les dialogues pour aller un petit peu vite et découvrir et en apprendre un peu plus sur les contrôles. Ok. On a des sacs, on a des maisons. Ah, ben là, c'est chez nous, donc on va pas y aller. Est-ce que je peux récolter des plantes? Il n'y a pas de sac ici pour moi? Parce que bon, hein, on essaie de faire des choses optimisées, vous savez. Hein, on est pas là juste pour vivre une aventure onirique. Donc, oh. Thorn, bien le bonjour. J'espère que le festin de demain se déroulera sans problème. Ce serait un répit bienvenu pour nous tous s'il se déroulait dans la tranquillité. Il y a des ennuis? Aucun signe pour le moment, mais il y a des ennuis dans l'air. Votre contribution? Gardez, juste gardez. Comme vous l'auriez deviné, à moins que vous vous attendiez à me voir jongler avec des épées. À vos souhaits. D'accord. Bah on a assez parlé, hein. Passe une bonne soirée, mec. Et merci de tenir la garde. Ah, je peux pas passer par là. D'accord. De ce côté-ci, nous avons une poule qui, malheureusement, est encore en vie. J'ai bien dit malheureusement. Bonne vieille, tout va bien? Le meunier semble à nouveau préparer un beau festin. J'espère qu'il sera aussi bon que celui de l'année dernière. Qu'est-ce que tu fais? Cette année, c'est moi qui m'occupe de la bière. J'en ai brassé une cuvée spécialement pour l'occasion. Un peu de miel et une pincée d'épices. Voilà de quoi tous nous enivrer. Oh. Ah, ce serait bien qu'on apprenne des recettes en parlant aux gens. Ok, bah demain il va y avoir une fête. Okay, bah allons préparer le repas. Je peux même pas parler à mes parents, c'est juste incroyable. D'accord. Préparez le dîner. Enfin à la maison et le fourneau vous appelle. La pièce est remplie des odeurs familières des dîners passés. Ce soir, vous avez le choix. Cuisinez la préférée de votre mère ou alors de votre père. Alors, je vais préparer celui de notre père. Ah, c'est ce que je préfère. Ok, notre frère s'est téléporté. Même les loups semblent plus calmes ce soir. Peut-être sentent-ils eux aussi la tempête qui se prépare au-delà de nos collines. Continuez. Ou peut-être que ta cuisine est parvenue à les rassasier. Espérons que nos ennemis la trouveront aussi apaisante que ces bêtes sauvages. Même si un soupçon de belladone pourrait assurer le coup, n'est-ce pas? Si seulement la paix était aussi simple qu'un repas bien cuisiné, dois-je partir au combat en brandissant une louche, mère? Mettons de côté nos cuillères et nos épées pour ce soir. L'aube arrivera plus vite que nous le pensons. Alors mieux vaut nous reposer. Demain, nous avons beaucoup de pain sur la planche. D'accord. Bon bah merci pour le repas hein, que j'ai préparé. J'ai récolté les objets, tout ça. Regardez ce sac de farine. On l'a même pas utilisé. Peut-être que si. Ah oui, punaise. On est chasseurs. Regardez ça. On a une tête de cerf, une peau de loup. Donc franchement, on est des bons. On est des bons. On peut lire aussi des choses, vous savez. Les terres libres, comme on les appelle, romantiquement, sont souvent dépeintes comme un royaume aux possibilités illimitées.
et à la beauté sauvage. Pourtant, je vous supplie, ignorez ces bilversés. Bilversés, mon Dieu, il y a des mots. C'est en réalité une terre pleine de dangers et d'incertitudes. Certains disent que les morts sortent de leur tombe, imaginez donc. De plus, la loi y est très subjective, surtout en l'absence de guide pour protéger les imprudents. À qui feriez-vous un grand appel ? À qui ferez-vous appel en cas de problème ? Qui ? Et je suis bien placé pour le savoir, car j'ai parcouru les terres libres pour vous éviter de le faire. Voici donc le premier volume d'une longue série que je vous enverrai. Cher lecteur, par au-delà de la mer, oui, un grand péril m'attend. Je préférerais rester avec vous dans mon pays sûr, blotti dans mon lit, et surveillé par nos seigneurs et nos dames. Je donne volontiers mon grain, car les impôts, voyez-vous, ne sont qu'un inconvénient mineur. Cela fait-il de moi un homme moins bon ? Oublions tout ça. Votre humble auteur, Bramble Quillworthy. Eh oui, oui. D'accord. C'est pas mal. On a du coup... on a des choses à faire. J'ai passé la journée à nettoyer l'abri du vieux Miller avec ma mère et mon père. Difficile de croire que c'est là que nous venons d'attraper des lucioles et regarder les étoiles quand nous étions enfants. Ces vieilles histoires nous ont bien fait rire. C'est amusant comme si c'était hier. Et en même temps, ces temps semblent remonter à une éternité. D'accord. Bon ben... On a des jauges, hein, donc des jauges de santé, de faim et d'énergie. Quand est-ce que je me suis blessé ? Sans doute le repas. Sans doute le repas. Il était vraiment pas bon. Ok. On va dormir. Le prologue. Oh ! The embers of war burn. After all these years, it has finally reached your doorstep. You must reach the docks. Regardez ce regard. Gilvé dépité. La guerre nous touche. Pourtant, on était bien dans notre coin. D'accord. On va essayer de voir si notre famille va bien. Il n'y a plus rien à looter. On n'a plus besoin de looter quoi que ce soit. On va essayer de survivre. Oh, je dois m'occuper de votre mère. Discutez. Mon cœur est soulagé de te voir indemne. Mais... Tu ne dois pas t'inquiéter pour nous. Les pillards rôdent toujours et leur nombre pourrait augmenter à tout moment. Nous nous reverrons, je te le promets. Maintenant, va, file loin de cette folie. Tu peux pas parler à notre... Ok. Ah, te voilà. Ça fait plaisir de te voir. Nous avons été séparés lors de l'attaque. Je commençais à craindre le pire. Asher baisse les yeux. Mère a la chance d'être en vie, mais sa jambe a été gravement touchée. Elle s'en sortira. Elle est déjà en train de nous distribuer des ordres. Malheureusement, elle a besoin d'une aide que nous ne pouvons lui apporter ici. Les yeux s'arrêtent sur vous. Un bateau devrait être encore au port. S'il n'a pas mis les voiles, tu ferais bien d'embarquer. Mais je doute que la voie soit libre. Père et moi avons encore affaire ici. Nous te reverrons. Nous te rejoindrons dès que nous le pourrons. Allez, file. Trouve un coin sûr. Ça pourrait être notre salut à tous. D'accord. Ah, regardez ça. Notre fier frère avec son épée. Pendant ce temps-là, moi, j'ai une épée rouillée. C'est juste... Ok, je peux pas ramasser les épées des morts, là ? Non ? D'accord. Ok, ben on va aller vers le port et embarquer un petit peu pour ce voyage. Une biche qui est morte. Oh là là. Vraiment, ils n'ont pas... Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de race. Alors, tab. Donc, ici, nous avons un... Comment est-ce qu'ils appellent ça ? Punaise. Donc, le truc circulaire, hein, tout simplement. On va prendre une épée parce que le jeu nous le conseille. Donc, attaque. Ah, c'est shift et attaque puissante. D'accord, je me demandais comment je fais. Ok, on peut faire une roulade. On peut faire une esquive. On peut faire une roulade. Nice. Le gilvé est agile, hein, vous savez. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais comment ça se fait, là? Ok. Allez, je le contourne. Il esquive. Ok. Non mais, t'as cru que j'étais ta sœur ou quoi? Le mec est fou. Il est fou dans sa tête. Ok, shift attaque. Oh yeah. Il s'est pris 6 de dégâts. Vraiment. Mais, Gilvé, tu peux contrer s'il te plaît? Ok.
Voilà, ça t'apprendra. Voilà. Apparemment, nous sommes tous les deux très doués à l'épée. Oh yeah! Tu es mort. Ok, bout de pain. Des racines de ginseng. Ok, j'ai perdu un peu de vie quand même. X pour déséquiper. Ok. Je sais pas si on peut attaquer quelqu'un. Parce que nous avons une épée en moins. Utiliser un élixir. Ok. Et oui, un élixir. D'accord. Il y a des oiseaux qui volent. Enquêter. Le sort d'un déserteur. Vous tombez sur un groupe de gardes, fatigué et débraillé. Il vous explique que l'homme ligoté, Thorn, a abandonné son poste au pont du village juste avant le raid, le laissant ainsi sans surveillance. Thorn admet avoir quitté son poste, non pas par peur, mais pour intercepter un groupe de voyous qui cherchait à empoisonner la réserve d'eau du village. Son absence a permis aux assaillants d'entrer sans problème dans le village, causant des pertes considérables. Ok, je peux ne pas me mêler. Je vais... je sais pas si je peux le libérer. Moralité, renommée. Ah, 10 de renommée. Par contre, le garde m'en veut. Mais non, mais garde, calme-toi. File d'ici, je ne me battrai pas. Okay. Ah non, j'ai pas envie de tuer un garde non plus. Mais non, mais il a fait quand même... Il a fait son rôle de gardien. Oula, attention. Attention, attention. Oulala, oulala, oulala. Ok, pierre lourd. Il a un peu mangé. On peut le comprendre. Ok, alors, si j'appuie sur Shift... Ok. Parce que, en fait, le truc, c'est que quand tu attaques, ils ont tendance à bloquer. Et... Voilà, ça t'apprendra, toi. Pour ceux qui n'aiment pas les combats... Et non, mais en fait, c'est ça, t'as l'impression qu'il te lit. Voilà. Est-ce que t'as pu lire ce coup? Dans ta face. Allez, racine de ginseng. De ginseng, ginseng. Ok. L'épée en main, Gilles V arrive. Vous pouvez fuir les rencontres aussi. Oula, il y a un soldat. Ouais, je vais pas m'y mêler. Parce que, en fait... en essayant d'aider le soldat, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attaqué le soldat. Et du coup, le soldat voulait me tuer. C'est pour ça que je fais certains tests, en fait. Par exemple, le prisonnier, je l'avais tué moi-même. Et j'avais perdu en moralité. Donc, ouais. Et tout comme le repas de notre mère, je pensais que c'était notre père qui allait être blessé. Apparemment pas, du coup. Ok. Avant de prendre la mer, mais regardez, nous avons une truite fraîche. Ah, mais c'est très bien. Ah oui, non, Gilles V, vous savez, il s'assure de pouvoir survivre. Donc là, il y a des gens qui prient, bien évidemment. Le capitaine est là, sur le gouvernail. Allez, on va rentrer dans la cale. Alas, all good things must end. It came to pass that bitter conflict and ceaseless war engulfed the continent. Those who dared to brave the sea fled. You were there. This is where your journey begins. La terre des gens libres. Ok. Est-ce que je peux parler au capitaine maintenant? Non. On ne sait pas non plus pouvoir aller dans la cale. D'accord. Non mais je fais attention à tout, hein, vous savez. Il faut se faire plaisir. On découvre un jeu, on ne connaît rien. Donc c'est très bien. Je peux prendre ici une... Ouh, regardez ça, de l'hydromel. Là c'est quoi? C'est juste des bouteilles. Pour aller prendre et les recycler, vous allez me dire. Fromage de chèvre? Ouh là là, une pomme rouge. Et donc là je vais pouvoir utiliser la marmite. C'est moi où l'écran est très petit?
mise à l'échelle. Ouais, c'est bizarre. D'accord. Parce que la première fois que j'étais... je vais mettre 100% pour voir. Ah, mais 100% c'est là. D'accord, bah 110%. Ah oui, non, c'est très petit. Mon dieu. Donc, en tout cas, on peut faire des pommes au four. Donc, ça demande juste des pommes miel. Il faut un de miel, œuf à la coque, pain de mie. Oh, de la farine et une crème pâtissière. Là, je vais faire des pommes au four, hein, vous savez. J'ai deux pommes. Donc, je peux appuyer sur D pour en faire deux et F pour en créer. Voilà, regardez ça. Pommes au four. C'est très, très bien. Ce Gilvé qui apprend à cuisiner. Alors, nous avons ici notre journal qui nous montre un petit peu les quêtes. On a des compétences. Je sais pas comment est-ce qu'on monte les compétences des personnages. Enfin, de Gilvé, du coup. Mais on a des traits qu'on gagne à chaque fois. Ça, c'est très bien. Actuellement indisponible. Nous n'avons pas accès à la carte. Ok, ok. Regardez ce gros rocher. Avec une pioche, je vais pouvoir bien me mettre. Discutons. The man beckons you. And though you've never met, murmurs your name. Welcome to the free lands, he says with a crooked-toothed grin. Someone's been waiting for you. Almost as though they foresaw your arrival. I know not who he is. He gestures towards the steed. Ride west. Bring this horse to the stranger. The road will take you where you need to be. D'accord. Amenez le cheval à l'étranger. On va le caresser. Voilà. Et on va le chevaucher. Et dire que lors de mon trail, j'étais à poil. Ah, Bad Bridge. Bad Bridge. Le mauvais pont présente. Une nouvelle histoire médiévale. Qui va être découverte par toi. Et par moi ? Oui, par toi. Par moi, ok. Myrte Wood. Oh. Tu vas perdre ta mère bientôt, toi. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le jeu. Il y a des petits moments où ça freeze un peu, comme ça. Ok, apparemment, ça passe en 30 FPS. Discutons. Bienvenue. L'étranger lève la tête, les yeux dissimulés sous sa cape. Vous sortez d'un long voyage, et j'imagine que vous ne manquez pas de questions. Mais vous devez avant tout vous reposer. Votre visage porte la marque de tous ces kilomètres. Cette terre appartenait à une de mes connaissances. Prenez-en soin, le temps apportera des réponses à certaines de vos questions. Pour l'heure, observez, écoutez, installez-vous. Nos chemins se croiseront probablement. D'ici là, gardez les yeux ouverts, vous disposez d'une chance dont peu de gens peuvent se vanter. Enquêtez sur la propriété. Prends son cheval et il part. Regardez ça, je peux le suivre et tout. Ah, d'accord, il veut plus que je le suive. Oh là là, ce jeu. Ce jeu est prometteur. En tout cas, c'est ce que je pense. Maintenant, on va voir. On arrive sur une parcelle de terrain qu'on nous donne, parce qu'on a la chance, hein, vous savez. Quand on achète des jeux, on a tendance à nous donner des choses gratuitement. C'est incroyable. Quand t'achètes, on te donne. Je comprends pas ce modèle. Donc, ici, nous avons. Voici l'acte de propriété du terrain que vous foulez. De vos pieds. La propriété est ancienne et délaissée depuis longtemps, mais elle mérite d'être mieux entretenue que ça. Dès que vous aurez le temps, retrouvez-moi à la taverne, la Genaude Brumeuse, au sud d'ici, dans la ville de Chêne-Claire. D'accord. Donc là, je peux réparer l'extérieur, donc un petit peu de bois et de pierre, réparer l'intérieur, du bois et de la pierre aussi. D'accord. C'est très bien. C'est très bien. On peut faire un peu le tour de la ferme pour voir. Donc là, je suis bloqué. Il y a un mur invisible. Je
Je ne peux pas avoir accès à l'établi. Et sinon, ça présente relativement bien. Ah, un vieil arbre. Oh, un gros tronc. De grosses pierres. Ah, il y a un mur invisible aussi. D'accord, d'accord. Non, il y a quelques murs invisibles, mais bon, c'est normal. C'est pour que tu n'ailles pas te balader avant d'avoir fini la quête. Lire. Et Lara, mes pensées restent avec vous. Et les décisions qui nous ont amenés ici. Les saisons se sont... Ok, les saisons se sont une fois plus... D'accord, d'accord. Les saisons se sont une fois de plus succédées. Mais l'ombre est toujours là. Je me languis des jours où la lumière de votre esprit était intacte. Je tourne à présent mon attention vers une nouvelle tâche. D'accord. On va dormir. On peut faire... Bon, dormir, on va dormir. Plutôt que de faire une sieste. J'en mérite de bien dormir. After a night of troubled sleep, your thoughts dwell upon your distant kin, the peculiar hooded figure. A blend of fear and wonder churns in your stomach. Where do you find yourself now? And the stranger? They wish to meet at the Hazy Hag. C'est le moment parfait pour nous arrêter ici. Je compte faire quelques vidéos de plus sur la chaîne, donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu et vous donnera envie de voir la suite. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est encore fait. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle aventure sur Memoria. En attendant la suite, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut. Oh yeah.